Reste debout. Tubaki juu. Ouvre ta Bible avec moi. Kamata Biblia yako pamoja nami. Dans le livre d'Isaïe. Ndani ya kitabu Isaya. Isaïe 63. Isaya 63. 15 à 19. 15 mpaka 19. 1 2 3. Regarde du ciel. Et vois de ta demeure sainte et glorieuse, où sont tes ailes et ta puissance, les frémissements de tes entrailles et de tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Arrête un peu. Est-ce que ce n'est pas ce que tu dis aussi? Continuons. Et de toi, tu y es cependant notre Père. Car Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. Oui, d'éternité, tu t'appelles notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de te voir et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs. Des tribus de ton héritage, ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, le montagne s'ébranlerait devant toi. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu n'as pas eu ça. Je n'ai pas un message ce soir de manière précise. Mais je sentais seulement la prière ici monter dans mon cœur. C'est pas si ces phrases trouvent une base dans ta vie. Si tu es comme ça, je ne sais pas si tu. Il dit, Anasema, Seigneur, où sont passés ton zèle et ta miséricorde? Buana, bidi yako, na rehema zako zimepita wapi? Ça ne se fait plus sentir dans ma vie. Haisikilikane tena katika maisha yangu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent comme si la miséricorde de Dieu ne le concerne? Je kuna mtu ambaye kunasikia kama rehema ya Mungu haikutana naye. Même quand on fait des déclarations, c'est comme si c'est pour les gens qui ne sont pas ici. Hata tunapofanya matamshi na kwa kama ni ya watu ambao wako hapa. Il dit, mais Seigneur, Anasema Bwana, ton peuple n'a possédé le pays que peu de temps. Watu wako waliriti mchi tu kwa muda kidogo. On a goûté peu de la bénédiction. Walionja nogo ya baraka. Mais c'est passé si vite. Na imepita haraka. Y a-t-il quelqu'un ce soir? Je kuna mtu qui a eu comme goûté la grâce de Dieu. Amba misikia tu ameonja neema ya Mungu. Et puis c'est passé du coup. Na imepita mara moja. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que tu es venu me faire goûter? Ukasema Bwana mbona ulikuja kunionjesha tu neema? Tu avais l'impression comme si le travail venait et puis le contrat on arrête. Inakuwa kama kazi ilikuja mzuri tena kisha wanazuia hiyo kazi naacha. Dans le mariage, on a fait juste 2 mois ou 3 mois ou 1 année de paix, puis c'est la calamité. Katika ndoa mlifanya tu mwezi mbili au mwaka moja salama na kisha kunakuwa maharibifu. Ton peuple n'a bénéficié du pays que peu de temps. Nasema taifa lako iliriti tu mji kwa muda mchache. Ce qui est grave. Na hii ndio ya hatari. Il dit, nous sommes depuis longtemps. Anasema tumekuwa tangu zamani. Comme un peuple. Kama taifa. Sur qui tu ne règnes plus. Ambao juu yake hautawale tena. Quand on nous regarde, wanapotuangalia, on ne voit pas le trace de ton règne. Hawaone alama ya utawala wako. Et si on ne voit pas le trace du règne de Dieu, na kama hawaone alama utawala Mungu, on voit le trace de quoi? Wanaona alama gani? C'est du genre vie. Inakuwa kama hii maisha. Où on est sous l'emprise de la sorcellerie. Il y a un certain magicien sorcier. Une certaine tante ou grand-mère ou sorcier du quartier qui a fait un décret. Et au visa. C'est ce qui se réalise. Il y a quelqu'un même qui dit, kuna mtu anasema, je vais te faire voir. Nitakuonesha. On verra si tu seras heureux. Tutaona kama utakuwa mwenye heri. Dans ce travail. Katika hiyo kazi. Je vais te faire ça. Nitakutosha jasho. Et tu sens qu'il a une main
sur ton salaire. Il y a une main sur ta promotion. Et il contrôle. C'est lui qui règne. Et Esaïe était révolté. Il dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur qui tu ne règnes plus. C'est la maladie qui règne. C'est le péché qui règne. Nous nous battons, mais il y a comme une force. Un peu comme Paul qui était en train de dire, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, c'est ce qui arrive. Misérable que je suis, qui me délivrera? Alors ils sont dans cette réalité là. Nous sommes dominés par quelqu'un d'autre. Le matin, asubuhi, il y avait une méditation hier avant-hier où Esaïe fait une prière. Il dit, d'autres maîtres que toi anasema watu wengine kushinda wewe ont dominé sur notre wali tutawala. Est-ce que c'est Dieu qui règne sur nous? Je ni Mungu ndiye anatawala juu yetu. Il y a des lois. Kuna wafalme. Il y a des décrets qui sont sur nos villes. Kuna masheria na masaini ambayo imesainiwa. Qui sont sur nos villes. Katika maisha yetu. On dit tout celui qui brillera dans cette ville de Beni. Wanasema mwenye ataomba katika mji wa Beni. Il doit tomber. Inomba anguke. Il doit mourir. Inomba kufe. Tout celui qui veut dépasser cette ligne. Mwenye anataka vuka hatua fulani. Il doit être tué. Inomba wawe. Jusque Zakar ses lois. Mpaka lini Bwana itaendelea hivi? Isaïe dit. Isaïe akasema. Père, Baba, si tu déchirais les cieux. Kama ungelipasua mbingu. Et tu descends. Na kushuka. Les montagnes vont s'ébranler. Qui croit que les montagnes peuvent s'ébranler? Les lois peuvent changer. Si nous crions à lui. Amen. Amen. Tes compassions ne se font plus sentir avec nous. Tu nous as fait errer. Et il dit, pourquoi endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Tu arrives à une dimension où tu es poussé à faire le mal parce que c'est comme si Dieu n'est pas là. Tu vas crier à lui ce soir. Amen. Amen. Dieu a dit, et j'aime Esaïe en train de répéter la même chose. Il dit, si tu déchirais le ciel et tu descendais, il y aura des solutions. Si toi Dieu tu descends, Esaïe est en train de rétro-pédaler. Il est en train de rentrer dans le passé. Parce que Dieu a dit anasema, dans Exode 3, 7 à 8, ndani akutoka 3, 7, 8, j'ai vu nimeona la souffrance de mon peuple. Mateso ya watu wangu. J'ai attendu nimesikia le cri sauti que lui faut pousser ses adversaires. Ya watesi wao. Je suis descendu. Nimeshuka. Je suis descendu. Nimeshuka. À un moment donné flan, de l'histoire d'Israël, Dieu a eu à descendre après avoir considéré la souffrance de son peuple, après avoir réalisé le mal que lui faisait souffrir ses oppresseurs. Dieu lui-même est descendu. Ce n'était pas un homme. Parce qu'un homme ne peut pas délivrer un homme. C'est Dieu qui délivre. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. C'est Dieu qui descend pour nous délivrer. Bizarrement, Esaïe est en train de demander encore à Dieu de descendre. Parce que quelque chose ne marche pas. Parce que les choses ne sont pas en train de suivre leur train.
Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, c'était comme s'il est en train de dire, si tu peux répéter la Pâque de Moïse, si tu peux refaire le mystère de la Pâque de Moïse, alors les montagnes vont s'ébranler. Esaïe, c'est un prophète que Dieu aime. Et que Dieu exauce. Et Dieu l'avait exaucé. Et un jour Dieu a ouvert les cieux. Il a ouvert le ciel. Et il y a eu deux choses. Deux mouvements. Jésus est descendu. À d'autres termes, Dieu est descendu. Et le Saint-Esprit est descendu. Jésus, c'était la Pâque. Amen. Parce que Esaïe a dit, si tu descendais. Quand ils sont quittés en Égypte, ils ont possédé Cana. Mais il dit, ton peuple avait quitté. Ils ont possédé Cana pour un peu de temps. Descends encore. Viens nous libérer. Et Jésus est venu. Quand Jésus est venu, il a provoqué le mouvement. Parce que quand Dieu s'est révélé au temps de Moïse, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri que lui faut pousser l'oppresseur. Je délivrerai mon peuple. Et je le ferai monter. Deux mouvements. La délivrance et le mouvement de départ pour aller posséder. C'est là que je suis. Et je sens que j'ai beaucoup de choses à dire et l'état me complique. Saint-Esprit, tu me donnes des choses, mais le temps m'attire. Mais écoute-moi une fois pour toutes. Le Saint-Esprit va continuer à nous éclairer sur cette affaire. Mais là où nous sommes, c'est que Nikuamba, il y a des miracles qui se sont faits kuna miujiza aliyofanyika pour délivrer. Kwa kufungua. Parce que chaque miracle maana kila mujiza que Moïse faisait ambao Musa alifanya, faisait tomber une divinité égyptienne. Ilikuwa ikiangusha miungu moja ya Misri. Écoutez bien. Dans Exode 12:12, il dit, je passerai en Égypte. Je jugerai les dieux de l'Égypte. La bataille n'était pas seulement charnelle. La bataille est montée dans la dimension des dieux. Et c'était une délivrance. Vous imaginez, quand les serpents de Moshe ont avalé les serpents de magiciens de sorciers, littéralement parlant, Moïse a récupéré la puissance de ces gens. C'est là que la Bible parlant du véritable Moïse qui est Jésus. Il dit, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. C'est quand Moïse a jeté son bâton par terre, a jeté le bâton par terre, c'était son ministère qui était par terre. C'est comme Jésus qui est descendu du ciel. Il est descendu sur la terre. Il a pris la puissance, l'autorité, de domination. Il les a dépouillés de leur force. Il a avalé ça. Alléluia. Amen. Mais si le serpent a avalé les serpents de magiciens, les peuples étaient où? C'était encore des esclaves. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont déjà délivrés. Mais ils sont encore sur la terre d'esclavagisme. Ils sont dans les mêmes conditions. Est-ce que tu es sauvé? Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es sauvé?
S'il n'est pas encore reçu, tu, n'est pas encore sauvé, tu lui fais recevoir Jésus. Kama haya okolewa, rapide. Umombe, umombe, umombe. Je répète au nom de Jésus, je te reçois. Na upoke, mon Seigneur et mon na upoke, Sauveur. Ya ya il a déjà reçu Jésus. Je m'en poke. Moulize, kama asha poke à Jésus. Lazare. Lazare. La Bible dit. Bien asema. Jésus dit, ouvrez la pierre, enlevez la pierre. Yesu akasema mondoe mawe. Quand on enlève la pierre, il déclare. Katanga. Il dit, Lazare sort. Lazare toka. Et la Bible dit, Lazare sortit. Lazare katoka. C'est quel mouvement? Quoi nini? Qui est sorti? Nanjo altoka. Il est sorti où? Altoka api. Parce qu'on dit, il avait les mains, les pieds liés, tout le Mano corps. Asema, alitoka, na mais il est sorti où? Vous avez lu le verset. Lazare sort. Lazare toka. Lazare sorti. Lazare katoka. Les mains liées. Il est sorti comment? Qu'est-ce qui est sorti? C'est la parole que Dieu avait dit. Il dit ceci. L'air vient. Ou ceux qui attendront la voix de Dieu ressusciteront. Amen. Mais cette résurrection là est spirituelle. Et il faut qu'il y ait des hommes ouins pour enlever la bande. On a déjà délivré. On a Jésus. On a la vie de Jésus. Mais on est lié. On est déjà sorti de la tombe. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas dans la tombe. Mais tu n'es pas libre, c'est ça ton problème. Dieu veut qu'après la vie, tu commences le mouvement. Tu commences le point de départ. Tu commences la marche. Ce soir, je suis venu siffler le départ de quelqu'un. Je me lève comme prophète pour déclarer la marche qui commence. Une marche commence dans la vie de quelqu'un. La Bible déclare le Dieu que nous croyons, il est le Dieu à qui nous avons l'être et le mouvement. Que le mouvement commence dans ta vie, dans ta destinée au nom de Jésus. Oh, la Bible déclare les adolescents se fatiguent, les jeunes gens s'assèlent, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Après avoir renouvelé leur force, ils prennent leur envol. Prends ton envol dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est de ça qu'il est question. Quand Esaïe prie, il dit ce peuple n'a possédé le pays que peu d'état. Aristote, ce peuple est où? Ils sont déjà à Cana. Mais ils sont encore comme. C'est comme s'ils sont rentrés en Égypte. Tu n'es pas en Égypte. Tu peux dire à Satan, je ne suis plus en Égypte. Il ne faut pas ramener mon Égypte, ton Égypte dans mon Canaan. Bon, si tu ne sais pas le dire le même, tu dis ça à celui qui est à côté. Il ne va pas amener son Égypte dans mon Canaan. Je refuse ça. Je suis déjà à Canaan. Et puis je règne pour peu de temps. Non. Il n'est pas question de vivre l'Égypte à Canaan. Il est question du lait et du miel à Canaan. Il est question du sabbat à Canaan. Alors il faut refuser ce soir les liens déguisés. Vous voyez, il y a des liens qui sont déguisés. Tu as comme si tu as brisé les liens de chômage. Et puis tu as une année, on ne te paye pas. Tu travailles, mais tu ne peux pas. Nous ne demandons pas du travail pour ne pas être payé. La Bible dit celui qui travaille a droit au salaire. Que ton salaire soit libéré ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth.
n'avons pas besoin de célibataires qui sont dans les mariages. Est-ce que je peux voir les mariés ici? Pendant que vous préparez votre offrande, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Il ne faut pas vivre le célibat dans votre mariage. S'il y a un marié à côté de toi, dis-lui, ne sois pas célibataire comme nous alors que tu es marié. Amina. Comment tu fais des nuits, ça t'attend 5 heures du matin, tu es encore sur la télé alors que tu es marié. Que Dieu te délivre ce soir au nom de Jésus. Ta chambre, c'est comme s'il y a, des épines. Alors que ça devait être un lieu de repos. Tu es en train de chercher, oh non, liker. Oh, on n'a pas vu mon statut. Ta femme est là, ton mari est là, tu veux quel statut? Tu veux quoi encore? Ça, c'est le célibat qui te poursuit. Que tu sois délivré dans le nom de Jésus. Il n'est pas question que Satan amène l'Égypte dans notre Canaan. Non. Christ t'a affranchi. Pour que tu sois réellement libre. Quand la Pâque est célébrée, ça provoque le mouvement. Ça provoque le mouvement. Et nous croyons à cette parole. C'est pourquoi nous la déclarons. Nous croyons à cette parole et nous la proclamons. Et cette parole va revêtir la chair dans la vie de chacun de vous. Amen. Hier, j'ai été béni. Et je prêche sous l'onction de ce témoignage aussi. Il y a une dame qui était venue à congé ici à Bé. Une maman. Mama moja. Qui est venue. Alikuja. Rendre visite à sa famille. Kukuja angale chama yake. Elle n'est pas de notre église. Haikuwa kanisa yetu. Mais sa famille est ici. Lakini chama yake inakuwa hapa. Elle a participé au marathon. Akashiriki mwenendo ya maombi. Le jour où on était dans la veillée, Dieu a parlé d'elle. Comme ça, par la prophétie. Le frère Josué a eu ce message. Elle était là. Elle a suivi le programme. Et avant ici, elle a dit, je rentre chez moi. À Goma. Et vraiment, le marathon, je voulais terminer, mais bon, je dois aller. Et elle était soucieuse de rater le tournant, disons le marathon. Okay. Comme il y a rediffusion ou alors il y a la culte en direct sur YouTube. Ils sont passés par le chemin Kasindi, Uganda. Uganda. Et là où ils ont dormi, elle a refait le culte. Elle a suivi le culte sur YouTube. Elle était aussi impliquée dans la lecture de la Bible. Elle a commencé à lire. On parle de minuit à 4 heures. Pendant qu'elle suivait le culte à rediffusion, elle est baptisée du Saint-Esprit. Dans un hôtel. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Et elle vit l'expérience. Elle dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu une acclamation? Le Dieu là est vivant. Donc, si toi tu ne témoignes pas, j'ai des témoignages même de loin. Je suis imbibé de l'assurance. C'est pourquoi quand je te dis que le mouvement est déclaré, ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. C'est une parole de la saison. Ça va s'accomplir. Tu vas entrer en mouvement. Quand la Pâque est célébrée, quand l'agneau est immolé, il y a des mouvements. Laissez-moi te donner 5 mouvements rapides sur lesquels tu vas asseoir ta prière de ce soir. Le premier mouvement, quand Dieu a exaucé la prière de Esaïe, il a libéré le ciel. Le ciel était ouvert.
Jésus est descendu. Jésus n'est pas descendu pour faire 30 ans. Jésus n'est pas venu pour faire des pupitres ou je ne sais pas moi Yesu comme charpentier ou menuisier. Jésus est descendu Yesu pour mourir. Kwa ku, ku, pour mourir, il était l'agneau. Sa mission kazi yake, comme agneau, c'était de mourir sur la croix. C'est pourquoi il dit, il faut que j'accomplisse ma mission. Et c'est ainsi que Jésus va monter sur la croix. Quand il est monté sur la croix, il y a eu des mouvements. Premier mouvement. Le voisin lui parle. Fais-nous descendre ici. Tu chuchap. L'autre dit. Mungina nasema. Même si tu as le sang sur toi. Ata kama una damu chuo yako. Je vois la royauté en toi. Naona ufalme ndani yako. Tu es roi. Uko mfalme. Et ici on t'a négligé. Na hapa nikuzarau. Moi je vais entrer dans ton royaume. Mimi nataka ningie katika ufalme wako. Souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton royaume. Jésus dit. Ce soir. Nous sommes avec toi. Je ne sais pas si vous voyez ce déplacement. Cet homme est sur une croix. Où on a écrit. Voleur. Sa destination. C'est l'enfer. Pendant qu'ils sont là. Dans le voisinage de la croix, Dieu les déplace du séjour de mort vers le paradis. Il dit, tu ne vas plus à l'enfer, je te déplace, tu vas au paradis. Ça c'est le premier mouvement. Quand l'agneau est immolé, il le change. En d'autres termes, si Jésus avait un écriteau, il pouvait changer l'écriture sur la croix parce que chaque croix avait une écriture. Sur la croix de Jésus était écrit, il est le roi de Juifs. Et c'était vrai. Jésus n'a pas été condamné pour un fait négatif. Il a été condamné comme roi. Qu'on te condamne comme roi, pas comme bandit. Non, comme roi. Mais l'autre était condamné comme bandit. Celui-ci a volé les chèvres d'autrui. Celui-ci a tué les gens. C'est pourquoi il est sur la croix. Quand Jésus dit, nous serons avec toi dans mon royaume, sur le plan spirituel, l'écriture est déjà changée. Ce n'est plus écrit celui-ci, c'est un bandit. C'est écrit celui-ci, c'est un disciple du roi. Il entre dans le royaume. Il entre dans le règne de son Dieu. Quand tu rencontres Jésus, même quand tu ne le vois pas, il y a un changement, il y a un transfert. Tu sors du monde des ténèbres vers le monde de Dieu. La Bible déclare, il nous a pris du royaume des ténèbres à son admirable royaume de lumière. Quand tu reçois Jésus, tu fais ce mouvement là. C'est le premier mouvement indispensable à tout. As-tu déjà connu ce mouvement? As-tu déjà donné ta vie à Jésus? As-tu déjà reconnu que Jésus est juste et qui ne pouvait pas être sur la croix? Ce toi, ce moi qui serait sur la croix, il a pris notre place. Et quand nous le reconnaissons, nous disons, toi, tu es juste, nous nous méritons la mort. Il dit, ce soir, ce n'est pas demain, ce n'est pas après le baptême, ce n'est pas après la Sainte Cène. Lélo, lélo. À ce moment, transfert. Demande à celui qui est à côté de toi, as-tu déjà connu ce transfert? C'est là que le condamnation de la famille, le condamnation des tribus, le condamnation du monde des ténèbres s'arrête. Ça s'arrête là. C'est là que commence la délivrance. Ça, c'est le premier mouvement.
Le deuxième mouvement. Jésus, Yesu, à un moment donné, il est fatigué. Wakati flana na choka. Et il pousse un cri. Nanapaza sauti. Eloi, Eloi. Mungu wangu, Mungu wangu. Lama sabakthani. Kwa nini umeniacha? Et il dit tout est accompli. Nakasema yote yametimilika. Quand le Seigneur a poussé ce cri. Nalipopaza hiyo sauti. La voix a quitté le mont Golgotha. Sauti ilitoka. Il est rentré dans la vallée. Il est allé monter sur l'autre montagne, là où il y avait le temple, ces deux montagnes parallèles. Et la voix est allée. La voix est entrée dans le temple. Et la voix a déchiré le voile. La voix est sortie de Golgotha. Les effets étaient en train de se passer dans le temple. Le voile s'est déchiré. Pourquoi? Parce que le temple était séparé. Le peuple restait dans le lieu qu'on appelle le parvis. Le sacrificateur venait prier pour eux là-bas. Et il rentre à l'intérieur. Quand Jésus a été immolé comme agneau, il y a un mouvement dans les temples. Le voile est déchiré. Paf! Le peuple qui était à l'extérieur voit les chandeliers parce qu'il y a le chandelier à l'intérieur. Il voit l'autel des parfums parce qu'il y a l'autel des parfums. Il voit le pain de proposition parce qu'il y avait la table de pain de proposition. Ils accèdent au lieu saint. Il y a eu le deuxième mouvement. Après le mouvement de changement d'identité, il y a le mouvement du parvis vers le sacerdoce. C'est par ces mouvements que toi, tu deviens sacrificateur. Malgré que ta femme est quatrième bureau de tout, disons ta mère, malgré que ton père t'a nourri avec l'argent de vol, malgré que dans ton village il y a ton oncle qui est sorcier, quand Jésus te rencontre, il annule ces choses-là. Il te prend, il t'introduit dans les sacerdoces. Tu es pardonné. La condamnation tombe. Et puis tu deviens une autre personne. Tu deviens un sacrificateur. Et tu peux te lever pour dire Dieu, il y a des gens derrière qui ont besoin de toi. Tu deviens intercesseur. Tu deviens le trait d'union entre Dieu et les hommes. C'est ce que Dieu fait quand la Pâque est immolée. Il te déplace. Tu viens de quelle famille? Tu viens de quelle vie? Jésus t'a spirituellement déplacé. Et tu as accès à sa présence. Oh, c'est très bien. Vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Quand je me préparais à être abbé, j'ai été croisé tout ça. That's it. C'était quand même beau. Hein? C'est quand même beau prendre le croix là. Oh, fumbola imani kubwa tunatangaza. Et on faisait les njia ya msalaba. C'était bien. Mais vous voyez là-bas, il y a quand même un peu la ressemblance à ces choses-là. Les sacrificateurs. Quand on faisait le péché, on faisait les prêtres dans une boîte. On laisse juste ici un trou. Lui, il est assis, il y a un trou de son oreille. Et dans la petite chambrette, il y a là où vous vous mettez à genoux. Le padre wangu, il est comme ça. Vous ne le voyez pas, vous êtes là. Et puis il dit voilà, vous allez réciter
Voilà, anasema utasoma imamu Père 50 fois Baba yetu mara 15 45 fois donc c'est bon allez. Na ingine unaenda kufanya. Que la paix de Dieu na salama ya Mungu soit avec toi. Ikuwe pamoja na wewe. Vous sentez la paix. Na unasikia salama. Et Dieu il veut déchirer les trucs là-bas. Anapasua bazia. Parce qu'imagine si tu es à Mangina. Fikirie nukiwa Mangina. Et le péché t'attrape là-bas. Na zami la kukuzia huko. Et puis les adefs sont derrière. Na adef wanakuwa pale. Le prêtre n'est pas là. Ou il a fui lui-même. Amekimbia pepe. Mais parce que le voile était déchiré. Mana, tu peux être en train de courir du Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Le voile est déchiré. Je suis là. Pardon. Le voile a été déchiré. Donne un sangoua à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, ah, le voile était déchiré. Je peux accéder à la présence de Dieu. Partout. Aux toilettes. Dans le véhicule. Dans les lits. Je peux accéder à la présence de Dieu. Parce que le voile a été déchiré. Aucun péché ne peut m'empêcher d'entrer. Parce que la voile voix de la miséricorde me dit mon enfant viens, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et la Bible dit qui condamnera les élus de Dieu? Si Dieu les a pardonnés, qui les condamnera? C'est pourquoi tu n'as pas besoin de faire 30 ans ou non. Dieu m'a dit que je vais faire un peu. Non, je ne sais pas. Si Dieu n'a pas dit que je le voile a été déchiré. Pas il y a pas de mets-toi à genoux. Piga ma gote. Parle à Dieu. On vient à Mungu. Il est là. Il est là. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose de dangereux qui arrive le troisième. Ça va être la prière de quelqu'un. La Bible dit, Élie, Jésus est sur la croix. Il pousse ce cri là. Le voile est déchiré. Le même cri va entrer dans le cimetière. Mon Dieu. Mon Dieu. La Bible dit, les saints qui étaient morts, plusieurs saints, pas tous. Demandez-moi pourquoi pas tous. Plusieurs de ceux qui étaient morts, qui étaient saints, ressuscitaient et ils entraient dans la ville de Yerushalayim. Non. Mais les autres restent pourquoi? Les peurs viennent pourquoi? Dites-moi pourquoi? Demandez-moi pourquoi ça s'est passé. Parce que cette parole est accompagnée par une puissance de délivrance. Élie, il crie. Le cri entre au temple. Déchis. Fais des hommes des sacrificateurs. L'autre son rentre dans les cimetières. Je suis en train de parler. La voix sort et entre à Kibangu. Bam! Et quelques saints. Pas tous. C'est-à-dire, il y a des saints qui sont restés là-bas. Mais quelques saints se sont réveillés. Ont ressuscité. Et on ne dit pas qu'ils sont morts encore. Ils ont recontinué leur vie. Ils sont entrés à Yerushalayim. Ils se sont promenés. Et ils apparurent à plusieurs personnes. C'est-à-dire ils rendirent ministère. Ça c'est un mouvement de l'agneau de haute dimension. Vous savez, je suis en train de déclarer que vous ne mourrez pas avec une mission non accomplie.
Le saint dont il est question, c'est l'image des hommes et des femmes qui ont Dieu, mais dont la mission a été étouffée. La mission a été enterrée. L'onction a été enterrée. Je suis en train de dire, ce sont des Élysées qui meurent avec un miracle. À un moment donné, Élysée était mort. Quand il était mort, il y avait ses os là-bas. Et on venait enterrer quelqu'un. Quand on venait enterrer quelqu'un, la Bible dit qu'il y a eu des adeptes qui ont suivi ces gens. Ils ont laissé le cadavre. Ils ont jeté ça quelque part. Heureusement. Le cadavre, on l'a jeté dans la tombe de l'ancien prophète. De l'ancien saint. De ceux qui étaient enterrés sans avoir épuisé son nom. Hey, donne-moi un amen, bien j'ajoute. Partir, amen, amzou. Tu vois Aristote. Non, tu Aristote. Il n'y a que Élisée. Qui avait un serviteur. Qui est mort avec des dettes. Jusqu'à ce que Kiwango, sa femme veut vendre les enfants. C'est un type qui gardait l'onction. Il n'a pas libéré l'onction des finances sur ses serviteurs. C'est pourquoi il est mort avec l'onction. Et le jour venu, il fallait que le cadavre puisse toucher ses os et récupérer l'onction. Et le mort est ressuscité. Il fuit les autres. Il dit, mais vous m'avez laissé comment? Je viens de rencontrer l'agneau de Dieu. Amina. Il y a des saints qui meurent avec la grâce. Lève ta main et dis avec moi. Toutes les grâces que Dieu m'a données, je les exploiterai. J'accomplirai ma mission. J'atteindrai le sommet de la montagne que Dieu m'a donnée dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli la mission. Que cette grâce te soit donnée dans le nom de Jésus. La Bible déclare, le saint qui était dans la tombe ressuscité et ils apparurent à quelques-uns. Jésus a dit ceci. Il n'est pas bon qu'un prophète meure loin de Jérusalem. Ces gens sont morts loin du repos. Ils étaient des saints. Mais ils n'ont pas atteint leur mission. C'est une chose de connaître Dieu. C'est une autre chose de mourir après avoir accompli tout ce que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas seulement appelé à être sauvé. Il t'a appelé à mourir vide. Tu dois mourir vide. Je refuse et je déclare. Tu ne dois pas mourir avec des affaires dans ton ventre. Ça doit sortir dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je parle à toute stérilité. Tu n'entreras pas dans la tombe avec des enfants dans tes seins. Les enfants là doivent sortir dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne mourras pas avec ces cantiques d'adoration. Ça doit sortir avant ta mort. Ces cantiques là doivent sortir et entrer à Jérusalem dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne mourras pas avant d'avoir amené ces âmes à Dieu. Quelqu'un est en train de dire, je vais y arriver, je vais y arriver, je refuse de mourir avec la richesse, mais la grâce de Dieu est là. L'agneau a été immolé. Le soir ici, les saints doivent ressusciter. Tu dois rentrer dans ton Jérusalem et tu dois faire quelques parutions. Jérusalem, c'est la ville de repos. Tu entreras dans ton repos. Tu entreras dans ton repos. Tu ne mourras pas avec une dette. Tu ne mourras pas avec l'onction avec toi. Le bagage que Dieu t'a donné va être utile jusqu'à ce que tu dises, comme il a été dit sur David. La Bible déclare, après
après avoir accompli tous les desseins de Dieu, après avoir accompli tout le programme de Dieu, David mourut. Il était vide. Quelqu'un doit dire à Dieu ce soir, Seigneur, je vais mourir vide. Et si tu dois revenir, trouve-moi vide. Je dois donner le bagage que j'ai. Je dois libérer les nations que j'ai. Je dois obtenir tout ce que tu as promis. Y a-t-il un Caleb qui va se lever devant Dieu? J'attends le voix des anges ici. Alléluia. Caleb dit ceci. Caleb, j'avais encore 40 ans. J'avais 40 ans. Quand Moïse nous a envoyé, nous avons été fidèles et Dieu nous a promis d'avoir des montagnes. Et il vient à 80 ans, il dit, moi je ne vais pas mourir sans entrer dans la terre que Dieu m'a donnée. Donnez-moi cette montagne que l'Éternel m'a promis. Donnez-moi cette montagne. Et il ajoute, je suis encore fort comme au jour d'autrefois. Je vais me battre pour prendre ma terre, parce que c'est Dieu qui m'a donné la terre. Ton esprit doit se révolter. Tu ne dois pas mourir avec une promesse, tu dois l'accomplir. Tu ne dois pas mourir avec un rêve, tu dois l'accomplir. Tu dois évoquer la puissance de l'agneau. L'agneau était sur la croix. L'agneau a crié, tout est accompli. Cette résurrection, avant que lui-même ne ressuscite, avant même qu'il n'entre dans la tombe, il a déclaré. Et la résurrection a atteint le jour. C'était donc une résurrection avant la résurrection. Avant que tu ressuscites pour rencontrer Dieu, c'est tes grâces qui ressuscitent. C'est ton don qui ressuscite. C'est ta destinée qui ressuscite. Parce que l'agneau a été immolé. Amina. Si tu déchirais les cieux et descendais, les montagnes s'ébranlèrent. Et la Bible dit, quand il est entré dans la tombe, il est allé récupérer ce qui était mort au temps de l'homme. Ce qui était mort des siècles avant lui, il est allé le prendre pour les introduire aussi en mouvement de Pâques. Vous étiez mort. On ne vous avait pas parlé de Jésus. Noé n'a pas bien prêché. Il était occupé à faire l'arche. Vous n'avez pas bien compris l'enseignement. Maintenant, vous êtes sauvés. Combien de millions d'années à récupérer Bango, à Memi Bango, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Je suis en train de te dire que les liens qui ont commencé avec tes ancêtres, les liens qui ont condamné tes ancêtres, quand tu rencontres l'agneau, il est en train de réparer le chose. Il est en train de réparer le chose. Il est en train de réparer le chose. Que cela te soit accordé au nom de Jésus. Il y a des liens, tu ne connais même pas comment ça a commencé. Il y a des maladies, ça a commencé, tu ne sais même pas. Des habitudes dans la famille, on est seulement des voleurs. On est seulement des impudiques. Toi-même, tu es des nains. C'est comme ça. On est des ivrognes. C'est comme ça dans notre famille. Quand tu dis à l'oncle, vraiment, hier, j'étais ivre. Il dit non, ça c'est nous. C'est nous. Pourquoi tu viens ou non? Je viens d'encrocher quatre femmes. Il dit non, ça m'emballe. C'est ça. Nous, chez nous, c'est ça. Donc, tu sais que ces choses ont commencé depuis quand? Dieu est capable. À cause de la Pâque, il rentre dans le passé. Il cherche cet ancêtre-là. Il cherche là où il avait signé l'alliance. Et il brise ça. Et il t'introduit dans la grâce. Que cette délivrance de l'agneau pascal t'atteigne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi alors que je continue à parler. Les derniers mouvements, je te les dis en état debout. Parce que la grâce de Dieu est en train de t'atteindre. Les derniers mouvements, il dit, restez
à Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est le Dieu. Quand il a achevé la mission, il a relâché le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend dans nos vies, il y a un mouvement. As-tu déjà désiré le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'administrateur de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est le garant de notre foi. Le Saint-Esprit, c'est le paraclet. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. J'élève le Saint-Esprit dans cette assemblée. Celui qui est le chauffeur de ces mouvements-là. Pendant le temps de Moïse, il était la colonne de feu qui montrait le chemin. Que cet esprit te montre le chemin de ton mouvement. Je vois la grâce de Dieu commencer à atteindre certaines personnes. C'est la saison de l'esprit. C'est la saison de l'esprit. L'esprit, celui qui matérialise l'œuvre de Jésus. La Bible me dit, le Saint-Esprit glorifie Christ. À d'autres termes, le Saint-Esprit scelle l'œuvre de l'agneau. Lève tes mains en haut. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler.